Vous avez sans doute vu apparaître du côté de la boutique de chez Cubi des kits Recalbox sur Raspberry Pi 5 avec tout intégré, la manette, la mémoire, etc. etc. Et vous vous posez la question, eh bien, qu'est-ce que ça vaut et est-ce que c'est un bon investissement? Eh bien, réponse dans cette vidéo avec un unboxing complet, l'installation avec un tuto pas à pas et bien évidemment notre avis final. C'est parti! Forcément, on va commencer cette vidéo par la partie unboxing avec déjà dans un premier temps un packaging qui est quand même très très cool, hein, totalement brandé Cubi et Recalbox. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, eh bien, vous allez être quand même assez gâté niveau configuration. Vous allez retrouver bien sûr le Raspberry Pi 5 dans sa version 4Go de RAM. Vous allez avoir l'excellent boîtier Argon Neo 5 qu'on va vous présenter dans quelques instants. Vous allez avoir l'alimentation officielle pour le Raspberry Pi 5 important. Vous allez avoir bien sûr le câble vidéo en micro HDMI vers HDMI plein, ça c'est indispensable. La carte micro SD de 32Go pour pouvoir installer votre Recalbox. Et accessoirement au passage, une manette ici USB RetroFlag qui est d'excellente facture puisque vous avez devant vous probablement la meilleure reproduction de manette Super NES qui existe. Alors certes c'est une version USB et tout, mais elle n'est pas à prendre à la légère parce que pour les gens qui veulent retrouver le feeling original de la Super Nintendo, c'est clairement la manette qu'on vous conseille, c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est surtout la plus qualitative et la plus ressemblante au modèle Super Nintendo de base. Voilà donc ce qu'il y a dans le kit. On va donc passer maintenant à l'installation. Avant de véritablement passer à la partie installation technique de tout ce matériel, eh bien, on va essayer de gagner un petit peu de temps et ça se passe pour ça du côté de l'ordinateur puisque nous allons tout simplement, eh bien, flasher la carte micro SD qui est fournie avec ce kit directement avec la toute dernière version de Recalbox. Pour cela, eh bien, dans un premier temps, eh bien, vous allez brancher votre carte micro SD à votre ordinateur. Donc pour cela, vous allez certainement avoir besoin d'un petit adaptateur USB comme celui-ci, sauf si vous avez par exemple un ordinateur portable qui est directement compatible avec une carte micro SD ou SD. Vous allez la brancher, alors forcément Windows va vous ouvrir la fenêtre, mais sinon vous allez directement aller sur le site recalbox.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez télécharger Recalbox pour Raspberry Pi et télécharger Recalbox pour Raspberry Pi 5. Et là, vous allez tomber sur cette page qui va vous dire, eh bien, pour pouvoir installer Recalbox, il faut au préalable que vous installiez sur votre ordinateur Windows, Linux ou Mac le petit logiciel qui s'appelle Raspberry Pi Imager. Donc, rien de plus simple. Vous allez donc télécharger celui qui vous intéresse. Nous, bien évidemment, vu qu'on n'arrête pas de le faire, on l'a déjà sur notre ordinateur. Et une fois installé, vous allez avoir ce petit logiciel. Rien de plus simple. Vous allez choisir le modèle ici. Donc, on commence Raspberry Pi 5, on veut installer de l'émulation ici, Recalbox ici et Recalbox pour le Pi 5. Vous choisissez le stockage. Attention, conseil, débranchez les autres supports USB type clé USB, disque dur ou quoi que ce soit pour ne pas installer et écraser vos données personnelles par Recalbox. Donc ayez bien uniquement ici et vérifiez la taille. Ça correspond bien avec la carte micro SD de 32Go que je viens de brancher. Donc on peut y aller. On fait suivant. Attention, toutes les données vont être perdues. Oui, c'est ce qu'on veut. Et c'est parti pour l'installation. Ça va réouvrir la fenêtre ici. Vous pouvez tout simplement les fermer. Ça, c'est Windows qui détecte que la carte est en cours de formatage. Et du coup, eh bien, la carte est en cours d'écriture. Pendant ce temps-là, eh bien, je vous propose de passer à l'installation technique du Raspberry et de son boîtier. Allez, pendant que ça installe, on va donc nous intéresser à l'installation technique du Raspberry et de son boîtier. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux petits outils, un petit couteau pour ouvrir proprement le boîtier et surtout un petit tournevis cruciforme pour pouvoir installer tout ce qui est visserie. Vous allez voir, c'est véritablement un jeu d'enfant. Dans un premier temps, en tout cas, on va ouvrir proprement la boîte du Raspberry Pi 5. Il n'y a rien de spécial à récupérer à l'intérieur, si ce n'est la carte
en elle-même. Donc rassurez-vous, pour les gens qui ne sont pas habitués, vous pouvez la manipuler, hein, malgré que ce soit des PCB avec des soudures apparentes. Rassurez-vous, ça ne mord pas. Ensuite, on continue avec le boîtier Argon Neo 5 qu'on vous recommande parce que c'est un chouette boîtier. Pareil, on va essayer de l'ouvrir proprement pour pas tout déchirer comme des sagouins. Et vous allez avoir un joli boîtier avec à l'intérieur quelques tout petits accessoires. Il y a un manuel également, hein, ça peut être intéressant. S'il y en a qui veulent être guidés pas à pas avec des petits schémas à l'intérieur. Mais sinon, vous n'avez qu'à suivre cette vidéo. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le capot. Donc vous allez avoir le socle. Ici, toute la partie ventilation, dissipation thermique et le capot supérieur avec cette petite pochette et quelques petits accessoires à l'intérieur qui sont assez importants. Donc on va vider tout ça directement ici à l'intérieur du capot. On vérifie qu'on n'a rien laissé dans le petit sachet plastique. Et vous allez avoir deux éléments déjà qui sont très importants à récupérer en priorité. Ce sont ici les pads thermiques. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir mieux dissiper la chaleur de votre Raspberry Pi 5 et ça va s'installer à deux endroits, je vous le montre parce que les gens font souvent l'erreur. Vous allez devoir le mettre un sur le CPU, c'est là où ça va chauffer très très fort, et un deuxième, non pas sur la RAM, la partie graphique ou ici la partie antenne, pas du tout. Le deuxième pad technique est à mettre ici. Sur la partie alimentation, c'est ici que ça va chauffer, donc avec l'arrivée ici en USB-C. Donc c'est bien un carré qu'il va falloir mettre sur l'intégralité de l'arrivée électrique. Pour cela, eh bien rien de plus simple, ce sont des petits pads thermiques avec un petit opercule en plastique de protection. Donc avec un petit ongle, avec une petite lame, vous allez enlever la première partie et vous allez le positionner directement ici sur le CPU. Vous laissez pour le moment le deuxième opercule. Le deuxième, pareil, vous en enlevez un. Vous allez voir, ça se passe très bien, c'est très facile. Et vous allez mettre ça, par contre, c'est là où j'attire votre attention, c'est que vous allez mettre ça vraiment sur toute la partie. Je le mets et je vous montre après en zoom. Voilà. Vous allez donc mettre un ici sur le CPU, un ici sur la partie alimentation électrique. Maintenant que c'est positionné, eh bien avec un ongle ou une petite lame, vous allez simplement enlever les petites opercules plastiques. C'est à enlever, hein. Attention, parce que vu que ça chauffe quand même, si vous voulez que ce soit efficace, ne laissez pas ces petits morceaux de plastique, ce serait quand même sacrément dommage. Maintenant que c'est fait, on va mettre le Raspberry directement dans le boîtier. Attention, il y a une règle capitale qui est très importante et je vous jure, écoutez-la bien. On ne manipule jamais un Raspberry avec une carte SD à l'intérieur. Parce que si vous faites ça, dès que vous allez le manipuler, ici, ça va avoir un effet de guillotine. Vous allez couper en deux votre SD systématiquement. Donc pas de SD dans le Raspberry lorsque vous le manipulez, lorsque vous le placez, etc., etc. Donc là, vous allez le placer bien comme il faut au niveau des encoches. Hein. De toute façon, vous n'allez pas forcément avoir le choix. Vous allez bien vérifier que lorsque vous le posez, le Raspberry ne bouge plus. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre la deuxième partie ici. Il y a une petite chose à savoir que je vous conseille pour faire propre et pour faire les choses dignement quand même. C'est que vous allez avoir le câble d'alimentation ici du ventilateur qu'il va falloir essayer de faire passer proprement. Pour cela, vous allez retourner, vous allez faire passer le câble dans l'interstice pour les ports GPIO. Et en fait, vous allez lui faire le tour. Si vous regardez bien, vous allez avoir une canule spécialement dédiée qui devrait être là tout du long. Donc on va le faire passer juste en le présentant sans nécessairement forcer, sans nécessairement y aller avec de la colle ou quoi que ce soit. C'est juste le positionner comme ça, proprement. Alors n'hésitez pas à vous aider justement du petit tournevis pour essayer de lui faire prendre une forme. Et vous allez donc ici le faire ressortir juste ici.
Donc là, c'est vraiment trois fois rien. C'est juste pour que le câble soit bien présenté, ne soit pas coincé. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement retourner ici et représenter le dessus directement comme ça. Et si vous vous êtes bien débrouillé, normalement, tout devrait bien jointer partout. Donc s'il n'y a pas de galère particulière et si tout est bon, normalement, ça devrait être OK. Dans ces cas-là, vous n'avez plus qu'à retourner votre Raspberry avec le boîtier. Vous allez prendre votre tournevis, justement, et gentiment, eh bien, vous allez mettre les quatre vis pour verrouiller le socle du boîtier et sa partie refroidissement. Une fois que les quatre vis sont faites, profitez-en également eh bien pour pouvoir coller les quatre petits patins antidérapants qui vont se mettre tout bêtement dans les interstices ronds. Voilà donc pour les patins antidérapants. Et alors, à titre d'information, c'est que ce genre de boîtier peut avoir une petite option ici. C'est que vous avez un petit capot pour pouvoir verrouiller votre carte micro SD. Alors ne l'installez pas maintenant puisque on n'a pas encore fini. Mais par contre, ça peut être intéressant si toutefois vous avez des enfants en bas âge pour pas qu'ils récupèrent la carte SD et qu'ils s'en nourrissent. Mais également si vous faites de temps en temps des choses avec du public, par exemple, je sais pas, si vous faites une expo ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant effectivement de le mettre et de verrouiller pour cacher la carte micro SD. Ça peut être intéressant également si vous mettez ça dans un endroit poussiéreux. Par contre, moi, d'une manière générale, dans mon utilisation de Recalbox, je ne mets pas ce cache parce que c'est toujours beaucoup plus pratique de pouvoir extraire la carte micro SD. Vous pensiez qu'on avait terminé ? Bon, pas tout à fait. Il reste un petit détail avec le câble ici d'alimentation du ventilateur qui est à brancher sur la prise qui s'appelle fan. Ça veut dire ventilateur en anglais. Oui, il faut avoir un niveau d'anglais assez élevé hein, pour faire ça. Pour ce faire, vous allez donc avec une petite lame ici enlever le cache du connecteur ici. Et alors, j'invite tout le monde à faire attention. C'est que si vous regardez bien, cette prise, elle n'est pas symétrique. Ça veut dire qu'il devait y avoir les connecteurs ici côté droit. Donc à vous de regarder ici cette prise, d'identifier de quel côté sont les connecteurs et de faire en sorte eh bien que ça matche. Et ce qui est important, encore une fois, on vous le rappelle, c'est de la plus grande importance. Violence et technologie ne font pas bon ménage. C'est un conseil primordial pour pas tout péter avec vos gros doigts. Donc on y va gentil. Si ça force, si ça fait crack, c'est pas normal. Voilà, et regardez-moi ça, on a même fait un câble management du tonnerre, ici, c'est super propre. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à terminer avec le capot qui vient se poser ici. Une fois qu'il est bien jointé, eh bien, pareil, vous allez pouvoir prendre les deux petites vis qui restent et vous allez tout simplement eh bien, verrouiller ce capot pour avoir un boîtier tout en métal qui va directement refroidir votre Raspberry Pi 5 parce qu'il en a besoin quand même. Hein. Le Pi 5, c'est vrai que si on ne le ventile pas, il a très vite fait de monter à 80-85 degrés, ce qui va pas être génial en matière de température de fonctionnement. Et grâce à celui-ci, vous allez lui faire perdre une bonne vingtaine, trentaine de degrés dans une utilisation normale. Et donc, ce qui est vraiment très cool. En plus, il a quand même un petit design pas dégueulasse. J'attire votre attention également sur le fait qu'il dispose lui aussi d'un petit bouton on-off pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Ça, c'est quand même royal. Maintenant que l'installation du boîtier est terminée, on va prendre des nouvelles de l'installation de Recalbox. Eh bien, génial, pendant ce temps-là, la carte micro SD a donc été flashée. Du coup, eh bien, on l'enlève de l'ordinateur. On récupère uniquement la carte micro SD que on va directement mettre ici dans le
Raspberry. On va brancher bien évidemment tout ça. Alors si possible, connectez votre Pi ORJ45, c'est quand même bien plus pratique. On va brancher également tous les câbles, hein, HDMI, la manette également, on va se la brancher. Et puis, on va brancher aussi l'alimentation. Et on est parti pour la finalisation de l'installation de Recalbox. Et tout ça, ça va se passer directement sur votre télévision en HDMI. Et voilà, notre installation de Recalbox est maintenant terminée. Attention, point primordial. Première des choses à faire, c'est que vous vérifiez votre manette. Si elle fonctionne, c'est parfait. Si elle ne répond pas, à ce moment-là, il faudrait trouver une deuxième manette puisqu'il va vous falloir aller dans les paramètres avancés et aller ici dans la mise à jour du bootloader. C'est une des premières choses qu'il va falloir faire. Là, vous regardez ici. Vous allez vous rendre compte à partir du moment où votre Raspberry est connecté à Internet qu'il y a une mise à jour du bootloader à faire. Vous la faites directement, d'accord ? C'est instantané, ok ? Et il va vous demander de redémarrer ensuite. C'est l'une des toutes premières choses à faire lorsque vous installez Recalbox. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un maximum de compatibilité avec les manettes USB, les manettes Bluetooth, le Wi-Fi également et d'autres accessoires. C'est vraiment une étape indispensable. Donc vous le faites et vous redémarrez votre Recalbox. Voilà, on a installé Recalbox, on a mis à jour le bootloader. Maintenant, eh bien, je vous propose un petit tour des options que moi, je change personnellement et que je vous invite éventuellement à faire de votre côté. Après, c'est libre à chacun. En tout cas, on va se faire un rapide tour d'horizon des choses qui me semblent importantes à modifier pour profiter pleinement de votre dernière version de Recalbox. Donc, ça va commencer en appuyant sur le bouton Start de votre manette. On va aller dans System Settings. On va bien évidemment se remettre en français avec une disposition de clavier en français, on quitte, on va vous dire attention, on va falloir redémarrer, on redémarrera à la fin, on va faire tous nos changements d'un coup. Game settings, déjà personnellement je désactive le lissage, le game smoothing, j'aime pas du tout le rendu. Ensuite je laisse le rewind, c'est tellement pratique pour tricher. Le soft patching, je le mets sur select. Si vous voulez plus d'informations, on a fait un tutoriel complet sur le multi soft patching qui est disponible dans Recalbox. Les safe state, pareil, on a fait un tutoriel là-dessus. Personnellement j'active le fait de montrer les safe state au démarrage d'un jeu, c'est très cool. On continue également avec le shader set. Je vous conseille de mettre le CRT curved, c'est celui qui a le plus bel effet. Et enfin, je laisse tout le reste désactivé. Ensuite, dans les contrôleurs settings, très important, même si votre manette semble bien fonctionner, s'il vous plaît, on repasse par une phase de configuration. Donc là, vous avez juste à rentrer dans le menu, vous laissez une touche appuyée sur votre manette et vous allez la reconfigurer. Attention, c'est l'étape la plus facile de Recalbox et c'est là où tout le monde se plante. Donc, on est bien concentré et on suit les actions que l'on voit totalement à gauche, donc à savoir haut, bas, gauche, droite. Ensuite, c'est le joystick de gauche. On le penche vers le haut, vers la gauche. Le joystick de droite, vers le haut, vers la gauche. Ensuite, eh bien, les boutons, vous les faites comme indiqué dans les petites miniatures. Donc, A, B, X, Y, Start, Select, L1, R1, L2, R2. Une fois que c'est fait, vous allez avoir L3 et R3. C'est en cliquant sur les joysticks de gauche et joystick de droite, si toutefois vous en êtes équipé. Et le bouton Hotkey sur les manettes 8-bit Do, c'est le bouton qui est tout en bas à droite de votre manette, sous le bouton B. Pour les gens qui seraient équipés de manettes avec beaucoup moins de boutons, je pense notamment à celle qui est incluse ici, la RetroFlag, eh bien on va le faire également. Si vous le voulez bien, on va configurer la deuxième manette. Vous avez qu'à rentrer une nouvelle fois dans ce menu et vous allez donc, eh bien, faire exactement la même démarche. Haut,
bas, gauche, droite. Des joysticks ? Ha ! J'en ai pas. Eh bien, vous faites bas, vous le passez. Ensuite, vous configurez les boutons qui sont disponibles. Start, Select, L1, R1. Ha ! J'ai pas L2, R2, L3, R3. Bas, 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 bas. Par contre, Hotkey est une touche obligatoire. Et lorsque vous n'avez pas de touche menu particulière sur votre manette, vous allez utiliser la même touche que Select, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, votre manette est intégralement paramétrée. Ensuite, les petits trucs que je peux vous conseiller. Vous pouvez donc afficher le pad OSD en permanence. Regardez en haut à gauche, c'est le petit pad qui clignote et qui vous permet de savoir si c'est la manette numéro 1 ou la manette numéro 2. C'est très pratique. Et enfin, vous voyez en haut à gauche, derrière mon logo FAQ, vous avez une petite manette qui clignote avec des ondes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer votre Recallbox, vous allez avoir 5 minutes pour automatiquement appairer vos manettes Bluetooth. Si vous ne vous en servez pas, vous pouvez ici désactiver l'auto-pair on boot, l'appairage automatique au démarrage. C'est ce qui va vous virer cette icône. Et dans ces cas-là, il faudra passer par ce menu pour pouvoir appairer vos manettes lorsque vous en aurez besoin. Ensuite, au niveau des options de l'interface, vous pourrez régler ici vos paramètres de l'écran de veille avec différents modes, mais ça, vous verrez ça par vous-même. Au niveau du thème, vous allez pouvoir notamment le repasser ici en Europe pour pouvoir avoir la Mega Drive et non la Genesis. Ensuite, vous allez avoir tout un tas d'autres menus, sous-menus. Moi, par exemple, celui que j'utilise, c'est celui des pop-up. Je les désactive, je trouve ça plus joli d'avoir uniquement l'interface. Au niveau des game filters, les filtres de jeu, ça, c'est pareil, c'est une option totalement sous-côté des dernières version de Recallbox, entrez dedans et vous allez pouvoir notamment eh bien, cacher les jeux de Mahjong et de Casino, cacher les jeux pour adultes, cacher les jeux préinstallés le jour où vous aurez rempli vos Recallbox et également vous pouvez cacher ce que Recallbox considère être comme autre chose que des jeux, comme des BIOS, des firmwares ou des trucs comme ça. Comme ça, ça vient automatiquement nettoyer vos listes de jeux sans aucune action de votre part. On continue également avec les sound settings. Alors c'est là où vous allez pouvoir régler les volumes sonores, c'est aussi là où vous allez pouvoir vérifier que le son sort bien ici sur le HDMI et pas sur éventuellement une sortie tierce type casque, Bluetooth ou quoi que ce soit d'autre. Le network, c'est pareil, c'est ici que ça se passe si vous voulez connecter votre Recallbox en Wi-Fi. Vous allez donc tout simplement activer le Wi-Fi, entrer ici, choisir dans une liste le SSID, le nom de votre Wi-Fi, et c'est ici que vous mettrez bien sûr le mot de passe pour vous connecter. Et enfin, pareil, option sous-côté ici, le host name. Si vous avez une Recallbox, pas de problème. Si vous commencez à en avoir plusieurs, je vous invite à les renommer proprement, comme ça, lorsque vous les chercherez sur le réseau pour aller chercher une save, pour aller chercher un fichier technique, pour mettre à jour quelque chose, eh bien au moins vous serez très facilement en mesure de les reconnaître. Ça, c'est bien pratique. Au niveau du scrapper, eh bien vous allez pouvoir ici modifier ces options telles que je vous les recommande. Je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel complet également à ce sujet-là. Donc moi, je passe en Screen Scraper Mix V2. Je mets des vidéos ici en optimisé pour avoir des tailles de vidéos restreintes. Pas de miniature, la région détectée par le système. Et enfin, je télécharge les maps, les manuels, les pad to keyboard. Et enfin, du côté des options avancées, on est sur Pi5, on est sur un boîtier du tonnerre, on peut se permettre de faire de l'overclock pour gagner un petit peu de puissance. Au niveau des paramètres de démarrage, je vous conseille ici de vous mettre en Game List Only. Au niveau également des paramètres de Kodi, moi je ne m'en sers pas. Si vous ne vous en servez pas, vous pouvez dans les paramètres de Kodi tout simplement le désactiver carrément de l'interface. Et enfin, un truc qui est très important aussi, c'est que vous avez vu tout à l'heure, nous avons activé les shaders qui vont donc appliquer un effet CRT sur les systèmes. Sauf que, eh bien, il y a certains systèmes qui n'avaient pas d'écran CRT et donc qui vont nécessiter un petit shader différent. Donc là, vous allez aller dans les paramètres avancés de l'émulateur et dans toutes les consoles portables. C'est facile, c'est tous les G. Donc vous allez à Game Gear, vous allez ici vous mettre en shader rétro. Game Boy, vous allez vous mettre en shader rétro. Game Boy Advance en shader rétro,
et en Game Boy Color en shader rétro. Si toutefois vous vous en servez, vous pouvez faire la même chose sur la Lynx. Vous pourrez faire également la même chose sur la Neo Geo Pocket et sur la Neo Geo Pocket Color et puis les éventuelles autres consoles portables. Comme ça, vous aurez un effet encore plus saisissant. Le reste est tout bon. Du coup, eh bien, on va pouvoir redémarrer notre Recallbox. Et vous avez vu qu'en l'espace de quelques petites minutes, on a totalement configuré la Recallbox. Elle est maintenant totalement opérationnelle et prête à accueillir vos premiers jeux. Voilà, votre Recallbox a maintenant redémarré et elle est prête à lancer vos premières parties, puisque je vous rappelle que nous vous proposons un peu plus de 150 jeux à la première installation. Vous allez pouvoir comme ça tester tout un tas de jeux libres de droit, puisque ensuite, charge à vous bien sûr de rajouter des jeux. Pour cela, plusieurs techniques. Vu que maintenant elle est allumée et connectée à votre réseau, vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur, mais vous pouvez aussi éteindre votre Recallbox pour récupérer la carte micro SD afin de pouvoir remplir dans le dossier share Recallbox ROM, et bien chacun des dossiers Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, etc., etc. Ou aussi vous avez la possibilité de prendre une clé USB, vous la formatez en exFAT, alors clé USB, disque dur, SSD, ce que vous voulez, hein. Vous prenez donc un support de stockage USB, vous le formatez en exFAT. Et avec votre Recallbox allumé, vous le branchez, il va vous dire « Oh là là, mais il y a un nouveau stockage qui vient d'apparaître, voulez-vous l'initialiser ?» Vous initialisez ce support de stockage, et une fois que ça va être fait, il aura donc créé toute l'arborescence des dossiers, sous-dossiers, PlayStation, Nintendo, etc., etc. Et à ce moment-là, vous pourrez débrancher la clé USB de votre Recallbox, la mettre sur votre ordinateur, tout remplir à la vitesse de l'USB 3 pour remettre ensuite tout ça sur votre Recallbox et ce sera intégralement détecté. Voilà pour la partie découverte, unboxing, installation et configuration de votre kit Recallbox qui est disponible chez notre partenaire Kubi. Alors, question, est-ce qu'on recommande, est-ce qu'on recommande pas? Franchement, moi je trouve que c'est un super bon kit, surtout qu'on est, on va dire, dans une gamme un petit peu supérieure au kit starter qui est proposé sur le site de Kubi. Déjà, grâce au boîtier Argon Neo 5 qui est quand même de très bonne facture, avec la manette USB également qui est vraiment très cool. Donc pour moi, c'est un grand oui, parce que là, vous allez enfin pouvoir passer à du Raspberry Pi 5 et vous allez pouvoir découvrir toute la puissance et tout ce qu'il est capable de faire en toute sécurité avec un boîtier qui est très bien dissipé et qui gère parfaitement bien l'excès de chaleur de cette nouvelle carte. En plus, à l'intérieur, c'est une alimentation officielle avec tous les accessoires officiels. Bref, pour moi, c'est un grand oui. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en description de cette vidéo. N'oubliez pas également que si vous avez déjà une manette, vous pouvez prendre également un kit starter pack. Vous aurez à ce moment-là le boîtier de base du Raspberry Pi 5, mais qui est franchement déjà très très bien et qui fait vraiment bien le café. Donc n'hésitez pas, que ce soit l'un ou l'autre, ça va dépendre simplement de votre niveau de finition et de ce que vous espérez avoir dans un boîtier. En tout cas, c'est du très très bon matériel et je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, petit pouce, petit commentaire, petit partage, donnez-nous de la force et n'oubliez pas de nous rejoindre du côté de Twitch puisqu'on vous accompagne déjà tous les soirs de la semaine pour vous divertir du lundi au dimanche, mais également aussi, eh bien, tous les samedis et dimanches matin, on est en direct pour pouvoir répondre à toutes vos questions en direct et également pour faire ce genre de petits unboxing et de petites vidéos tutoriels. Merci de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.